Bonjour à toutes et à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme. Bienvenue dans votre site maths et physique en poche. Dans cette séance, je vais partager avec vous, chers étudiants et étudiantes, un exercice concernant les nombres complexes, toujours dans le cadre de vous préparer au jour J de l'examen national. Bien sûr, donc niveau deuxième année baccalauréat. Voilà, le sujet est devant vous, je vais vous lire le sujet. On considère dans le C l'équation d'inconnu définie par z à la puissance 3 moins 3z au carré plus 3z plus z égale à 0. Première question, vérifier que z0 égale à moins 1 est une solution de l'équation. Déterminer les réels a et b pour que z à la puissance 3 moins 3z au carré plus 3z plus z égale z plus 1 en facteur de z au carré plus az plus b. Résoudre donc c'est l'équation E. Donc là, ça, c'est la première partie. Deuxième partie, on vous donne, voilà, les points A, B, C, d'un fixe respectif, Z, A, Z, B et Z, C. Et on vous demande, ou bien on vous donne, soit R, la rotation de centre A, et donc π sur 3. Écrire le nombre complexe Z, C moins Z, A sur Z, B moins Z, A sous forme trigonométrique. En déduire la nature du triangle ABC, soit D, l'image du point C par la rotation R, montrer que la fixe du point D égale moins 1 moins 1 plus 2i racine de 3. Vérifier que ZD moins ZB sur ZC moins ZA est imaginaire pur, c'est-à-dire appartient à IR. Interpréter ce résultat. Donc, déterminer la nature du quadrilatère ABCD. Voilà, bien sûr, ce qu'on vous demande. Voilà, c'est un sujet qui comporte certaines des questions typiques du jour de l'examen. Alors, je vais commencer par répondre à la première question. Donc, vérifier que Z0 est une solution. D'abord, donc, il suffit bien sûr d'écrire. Voilà, je vais écrire d'abord l'équation pour rester devant vous. Donc, moins 3z au carré plus 3z plus 7 égale à 0. Donc vérifie que moins 1 égale à 0, z0 égale à moins 1 est une solution. Il suffit de remplacer z par moins 1. Voilà, moins 2, 1, plus 3 moins 1, plus 7. Donc c'est bien moins 1, moins 3, plus 7, c'est bien égal à 0. Alors, une fois cela est réalisé. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On va déduire que le polynôme, c'est pas normalement un polynôme complexe, c'est-à-dire que P de Z est admis comme solution, Z0 comme solution. Ça veut dire que P de Z est une, elle va réaliser la division euclidienne par Z moins moins Z, c'est-à-dire Z plus 1. C'est-à-dire qu'il est divisible par Z plus 1. Autrement dit, c'est-à-dire que Z à la puissance 3 moins 3Z au carré plus 3z plus 7 égale z moins moins z, ça veut dire z plus 1, fois q de z, fois une autre fonction q de z, telle que q de z n'est autre que sous forme de second degré, c'est-à-dire on vous la donne, z au carré plus a de z plus b. Donc il suffit de déterminer a et b. Alors qu'est-ce qu'on va écrire? C'est-à-dire ça égale à quoi? Donc est égal à z plus 1. A z au carré plus az plus b. Donc vous allez effectuer votre calcul. Donc c'est a plus 1, je le fais directement en fonction de z au carré plus b plus a facteur de z plus b. Alors par analogie, ça veut dire que vous allez donc déduire que b égale à 7. Voilà. Et que a plus 1 égale à moins 3. Et vous avez A plus B égale à 3. Donc, A sera égal à moins 4 et B égale à 7. D'où Q de Z. Donc, c'est quoi? C'est vous allez remplacer A par moins 4 plus B, c'est-à-dire plus 7. D'où, donc, vous aurez Z3 moins 3Z au carré plus 3Z plus 7 n'est autre que z plus 1, z au carré moins 4z plus 7. Voilà ce que vous devez écrire.
Donc, pour résoudre cette équation-là, dire que ça égale à 0, ça revient à dire que z plus 1 égale à 0, ou bien z au carré moins 4z plus 7 égale à 0. C'est-à-dire que z qui égale la première solution, z0 égale à moins 1, c'est déjà fait. Donc, il suffit de résoudre l'équation de second degré, voilà, égale à 0. Donc, vous devez déterminer alors delta c'est b au carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 28. Donc, c'est moins 12. D'où vous devez écrire alors z1 égale à moins b, c'est-à-dire 4, moins 12. C'est quoi 12? C'est 2 racines de 3 i au carré. Donc, ce sera moins 2 racines de 3 i sur 2, c'est-à-dire 2 moins racine de 3 i, et z2 sera égal à z bar, donc c'est 2 plus racine de 3 i. Voilà les solutions de cette équation là. Donc, deuxième partie, on vous donne, voilà les points d'affixe a et b et z. Donc, il suffit de vérifier que zc moins za sur zb moins za. Donc, écrit ça sous forme trigonométrique. Alors là, il suffit de remplacer zc, donc c'est 2 plus i racine de 3, plus 1 sur 2 moins i racine de 3, plus 1. Donc, c'est 3 plus i racine de 3 sur 3 moins i racine de 3. Alors, vous multipliez par le conjugué, qui est autre que 3 plus i racine de 3, donc ce soit au carré, sur 9 plus 3. C'est-à-dire, c'est 9 moins 3 plus 6 i racine de 3 sur 12, ou bien 6 plus 6 i racine de 3 sur 12. Donc, c'est bien 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Alors là, ce nombre complexe, donc on peut tirer donc zc moins za sur zb moins za. Donc ça, c'est un nombre complexe, c'est facile, donc dont le module est égal à 1. Et l'argument, c'est cos de pi sur 3, donc c'est pi sur 3. Voilà, c'est simple à résoudre. Donc voilà la forme trigonométrique. Alors, on déduit la nature du triangle ABC. Alors là, donc, si je fais le module de ce terme-là, ZC moins ZA sur ZB moins ZA, ce n'est autre que le module de AC sur AB. Donc, c'est AC sur AB égale à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que AC égale à AB. Donc, je peux en déduire, premièrement, que le triangle est un triangle isocèle en A. D'autre part, j'ai Z, l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA, qui n'est autre que l'angle compris entre AB et AC. Donc, c'est pi sur 3. Alors ici, vous avez deux conditions. Vous avez AC égal à AB et vous avez AB et AC, l'angle entre les deux, égal à pi sur 3. Ça va vous allez déduire forcément, c'est que le triangle en question, ABC, est non seulement isocèle, mais il est équilatéral. Voilà. C'est facile à montrer, puisque vous avez bien sûr les côtés AC égale à B et l'angle pi sur 3, ça veut dire que les deux angles qui restent seront les mêmes. Donc, là, sachant que la somme des angles égale à pi, alors forcément, les deux angles seront égaux à pi sur 3, d'où trois angles égaux à pi sur 3, donc c'est un triangle équilatéral. Donc, voilà. Soit dès maintenant, on va passer à l'autre question, soit dès l'image de C par la rotation. La rotation R montre que l'affixe de D égale ça. Alors, je vous conseille de faire toujours des schémas. Donc, vous avez un point D, image de point C, vous avez une rotation d'angle A, de centre A, et dont l'angle est pi sur 3. Alors, vous vous déduisez immédiatement que AD égale à AC exponentielle de I pi sur 3. La première des choses à faire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ZD égale à ZA plus AC
exponentielle de i pi sur 3. Donc ZA, c'est moins 1. Et AC, c'est ZC moins ZA. C'est ZC moins ZA qu'on a déjà calculé. Donc c'est 3 plus i racine de 3. 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc il suffit de faire, bien sûr, votre calcul. Et vous allez trouver tout simplement que ZD, c'est bien égal à moins 1 plus 2i racine de 3. Question qui suit. Voilà, vérifiez que ZD moins ZB sur ZC moins ZA est imaginaire pur. Donc, vous allez toujours remplacer C moins 1 plus 2i racine de 3 moins 2 plus i racine de 3 que je divise par ZC moins ZB, c'est déjà calculé. Donc, ça vous donne moins 3 plus 3i racine de 3 sur 3 plus i racine de 3. Donc, je peux écrire moins 3 en facteur et je dois multiplier par le conjugué moins 3i racine de 3 sur 3 au carré, ça fait 9 plus 3. Donc, ça me donne moins 3. 3 moins i racine de 3, moins 3 i racine de 3, moins 3, le tout sur 12. Donc je simplifie, ça me donne 12 i racine de 3 sur 12. Donc c'est bien i racine de 3, c'est imaginaire pur, donc ça appartient à i1. Alors là, cela va me permettre de déterminer l'argument de z. D moins ZB sur ZC moins ZA, qui n'est autre que l'angle, bien sûr, entre AC et BD. Donc, c'est l'argument de I racine de 3, qui n'est autre que pi sur 2. Ça veut dire que BD est perpendiculaire à AC. Alors, vous savez, bien sûr, la nature du quadrilatère ABCD. Vous savez bien sûr que vous avez déjà ABC est un triangle équilatéral, c'est-à-dire que AB égale à BC égale à AC, et vous avez AC est perpendiculaire à BD. Donc, vous avez AC égale à AB égale à BC, et vous avez BD est perpendiculaire à AC. Cela prouve que le quadrilatère ABCD en question est un carré. Voilà la réponse de ce sujet-là. Donc, c'est un sujet typique qui comporte des questions plus ou moins faciles que vous devez bien sûr connaissance tout simplement vos propriétés que vous avez vues en cours. Je pense que vous n'allez pas trouver certaines difficultés. Alors, je vous remercie de votre attention et je vous dis au revoir.